Le Togo vers une administration plus efficace et transparente grâce à la numérisation, on t'en parle sur EcoDev TV. Le Togo s'est engagé dans un vaste chantier de transformation numérique de ses institutions. Cette initiative qui vise à moderniser l'administration publique, à améliorer la qualité des services offerts aux citoyens et à promouvoir l'inclusion numérique commence à porter ses fruits. Concrètement, plusieurs services en ligne sont déjà disponibles, permettant aux citoyens d'effectuer leurs démarches de manière plus simple et rapide, comme la demande de passeport, la carte de séjour, les visas, la demande de duplicata de nationalité, la demande de casier judiciaire, la demande de raccordement à l'électricité et bien d'autres services. Ce vaste chantier s'inscrit dans la volonté du gouvernement togolais de moderniser son administration, de la rendre plus efficace et transparente. Il s'agit également de répondre aux attentes des citoyens qui souhaitent des services plus accessibles et de meilleure qualité. Toutefois, la numérisation des institutions au Togo n'est pas sans défi. Il est notamment important de lutter contre la fracture numérique et de garantir que tous les citoyens aient accès aux outils numériques et à Internet. La cybersécurité est également un enjeu important, tout comme le changement des mentalités des agents de l'État et des citoyens. Malgré ces défis, la numérisation des institutions au Togo est une initiative prometteuse qui devrait permettre de moderniser l'administration et d'améliorer considérablement la qualité des services offerts aux citoyens. Le Togo a fait de la transformation numérique un axe majeur de son développement. Le pays a notamment adopté la stratégie nationale Togo Digital qui vise à faire du Togo un véritable hub régional du numérique.